Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh, ahibbehi et talamid, moutatabbehi, kanaat prophétam. Aujourd'hui, on va faire la page 30 du petit matin CM1, la 4e année primaire. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est les mesures des airs, le mètre carré, multiple et sous multiple Donc, les objectifs c'est de connaître et comparer des aires en utilisant des unités arbitraires. Connaître le mètre carré, ses multiples et sous-multiples et les utiliser. Donc le premier exercice, j'observe les figures et je complète. Donc regardez, j'ai plusieurs figures. Ils sont nommés A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Et ils ont demandé de compléter les figures qui ont la même R. Donc, on va compter chaque figure, l'air de chaque figure. Et on utilise un carreau comme unité arbitraire. Donc, la figure A, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 5, je vais le compléter par ce petit morceau. Je vais le déplacer ici pour compléter le carreau. Ainsi, ce petit morceau pour compléter le carreau. Je complète ce carreau. Et regardez que ça devient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, on a 6. C, on a 1, 2, 3, 4. On écrit 4. Donc H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on écrit 8. Donc J1, 2, 3, 4, 5, 6, on écrit 6. Donc ici, on a, regardez, je vais déplacer ce morceau ici, l'autre morceau ici, et ainsi ce morceau, je vais le déplacer ici, et... Celui-là ici. Regardez, on va le compléter comme ça. Et on va compter. Oui. Celui-là et celui-là. Donc, regardez. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8. Donc, on écrit 8. On passe à K. 1, 2, 3, 4. On écrit 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On écrit 6. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On écrit 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aussi 8. Donc euh, D, on a 1, 2, 3, 4. Ce morceau, je vais le déplacer ici pour compléter le carreau. Ainsi, ce morceau, je vais le déplacer ici pour compléter le carreau. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va écrire 6. 1, 2, 3, 4 et on écrit 4. Et 1, 2, 3, 4, on écrit 4. Regardez les figures B. Regardez B. L'air de B, c'est quoi l'air de B? Donc, euh, oui, B, il y a 4. Donc, je vais écrire les figures qui ont la même R. Par exemple, on a C. On écrit C. On a, on a K. L'air, c'est 4. Euh, oui, on a E. Aussi, l'air, c'est 4. Donc, euh, on passe à la, les autres figures. On commence par A. Combien la figure A, l'air de la figure A, c'est 6. Donc, je cherche les figures qui ont la même air. C'est D. Oui. On a I. Aussi, oui, J. Donc ces figures, ils, ah, je m'excuse, ces figures, ils ont la même R. Donc on passe à la figure G. G, combien G euh, Je cherche G, où est G Oui, G8. Donc je cherche les figures qui ont l'air 8 Donc euh, on a G, on a F. On a euh, c' L, oui. Est-ce qu'il y a d'autres? 1, 2, 3 et 4. Il n'y a pas d'autres. Donc, GFL. 1, 2, 3, 4. Oui, 4. On n'a pas écrit H, oui. On n'a pas écrit H. Donc, regardez ces figures, ils ont la même R. Donc, je complète. Passe à l'exercice 2. Je complète le tableau. Regardez le tableau, il comporte l'unité d'air et la mesure d'air de la figure jaune. Regardez si je utilise par exemple l'unité d'air, c'est le petit carreau bleu. Je vais compter combien j'ai dans l'air dans la figure jaune. C'est le fait de compter les carreaux. Je vais commencer par le carreau bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, euh, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Donc ici, l'air, si j'utilise le carreau bleu, on a 40 carreaux. Donc, si j'utilise le carreau euh, marron, regardez ce carreau, combien il comporte de carreaux Il comporte deux carreaux. Donc, à votre avis, l'air de la figure jaune, c'est la moitié de, euh, de, 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 du carreau bleu. On a utilisé ce carreau marron. Donc c'est 20 si on utilise le carreau marron. On a 20 carreaux. Si on utilise le carreau bleu, on a 40. Si on utilise le carreau vert, regardez le vert, il y a 4 carreaux. 1, 2, 3 et 4. Donc à votre avis, c'est quoi 40 divisé par 4 Combien C'est 10. On a 10. Tout simplement, l'air, c'est 10 carreaux. 10 carreaux. Donc si on utilise ce petit triangle, c'est la moitié d'un carré. Si je divise ce carré par 2, j'obtiens ce triangle gris. Donc à votre avis, combien on va multiplier 40 par 2 pour trouver l'air avec ce petit triangle gris Donc 40 fois 2, c'est 80. Donc c'est 80, l'air c'est 80. Donc, on passe à l'exercice 3. Regardez la figure A, B et C. Je complète chaque tableau. On a les figures A, B et C. Je dois compléter ce tableau. Ensuite, T, E, F et je complète l'autre tableau. Donc, regardez le périmètre. Le périmètre d'un rectangle, c'est de mesurer ou là, de faire la somme. De la longueur plus la largeur. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a 12. Je peux utiliser la règle. Donc P égale, on a P égale longueur plus largeur fois 2. Cette relation, vous l'avez déjà vue. Longueur plus largeur fois 2, donc longueur c'est 5 plus largeur 1, c'est 6, fois 2, c'est 12. Je l'utilise ici, 1, 2, 3, 4, plus 2, ça fait 6, fois 2, ça fait combien C'est 12. On passe à P, on a ici un carré, et l'air d'un carré, c'est combien Ou oh le périmètre plutôt d'un carré, P égale pour le carré. P égale 4 fois le côté. C'est ça la règle. 4 fois le côté. Donc, on a dans le côté 3 carreaux. 3 fois 4 égale 12. Donc, pour l'air, je vais chercher l'air. Donc, tout simplement, je compte les carreaux ou bien je dois multiplier la longueur fois la largeur. Ici, on a la longueur et ici, on a... La largeur l'air égale longueur fois largeur pour pour euh, le rectangle pour le carré l'air égale côté fois côté je rappelle la règle tout simplement côté fois côté l'air du carré donc ici on a 5 fois 1 égale 5 ici on a 1, 2, 3, 4. 4 fois 2 égale 8. Et pour le carré, on a 3. 3 fois 3 égale 9. On passe aux autres figures. On a D, E, F. Même chose, je vais chercher le périmètre LR. Donc pour le périmètre de D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 plus 1. 8D. On a 12 plus 1, c'est 13. 13 fois 2 égale 26. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2. Ou la 6 plus 2, ça fait 8. 8 fois 2 égale 16. Ici, on a 1, 2, 3, 4. 4 plus 3, ça fait 7, fois 2, égale 14. Maintenant, on cherche l'air. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, l'air de la figure D, c'est 12. J'ai compté tout simplement les carreaux qui existent à l'intérieur. Ou bien j'utilise la règle longueur fois largeur égale, bien sûr, 12. Ici, longueur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2 égale 12. Aussi, la figure F1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc 4 fois 3, ça fait 12. Donc qu'est-ce que je remarque Je remarque que les figures A, B et C ont le même périmètre, mais ils n'ont pas... La même R. Mais pour la, les figures DEF ont le même, ont la même R. Regardez l'air. Ils ont même R, 12, 12, 12. Mais ils n'ont pas le même périmètre. Donc on va écrire les figures. Qu'est-ce que je remarque On écrit les figures. figure A, B et C, virgule B et C, ont le même périmètre, 12, 12, 12, ont le même périmètre, ont le même périmètre. Oui, mais ils n'ont pas la même R. Par contre, pour les figures D E F, les figures T, E et F ont la même R, mais ils n'ont pas... le même périmètre. Comme ça, on a terminé la page 30. On se reverra dans la page 20, 31. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.